Hello tout le monde, c'est A Kim. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, non du gaming, non du connerie, ça va être la cuisine. La cuisine. Il y aura une petite anecdote à propos de moi, une petite histoire que je vais vous raconter. Et cette histoire ne va pas commencer tout de suite. Avant, on va parler d'un truc. La nourriture. Quand tu vois par exemple une baguette française créée en Italie et tu la manges en Italie et tu veux valoriser ton pays, tu vas dire: ah, c'est vrai que cette baguette en Italie, c'est une baguette très bonne, elle est même meilleure que son pays d'origine. Alors qu'en vrai... Quand tu vas en France, tu goûtes la baguette française, tu te sens un petit peu dans le 7ème ciel, et tu te dis ah. Et c'est surtout moi les gens qui sont comme ça qui m'énervent, genre qui veulent valoriser leur pays alors que ce n'est pas leur pays qui l'a créé, tu vois. Bref, il y a aussi le couscous. Oui, le couscous, il y a des pays qui disent le couscous a été créé en Algérie, en Tunisie, dans les pays maghrébins. Mais arrêtez de vous approprier ce qu'on a, nous, les Marocains. Laissez-nous notre couscous, il est bon. Mais franchement, le couscous que vous achetez dans Auchan ou Carrefour, franchement, il est vraiment dégueulasse. Parce que je vous le dis, expérience personnelle et professionnelle, magasinelle, bref, tout ce que vous pouvez savoir. Le couscous marocain créé, fait traditionnellement par la daronne ou un truc comme ça, c'est le meilleur couscous. Un petit truc magnifique, tu goûtes, tu te sens carrément en train de voler dans les nuages. Franchement, c'est comme la pizza italienne. Quand tu vas là-bas, tu la goûtes, c'est un truc de ouf. C'est pas les pizzas que tu commandes chez Domino's à côté, là, qui te les font en exportation, je sais pas quoi, là. C'est, tu vas chez Luigi à côté, oui, je prends le stéréotype comme d'habitude, Luigi à côté. Ils vendent des petites pizzas dans le four avec les spatules, des trucs de ouf. Et franchement, tu te sens dans ton nuage comme dans Kinder Bueno en train de voler. Tu vois ce que je veux dire? Nous allons parler de mon anecdote. Un jour, j'étais parti dans un restaurant japonais et bizarrement, le restaurant japonais n'était pas tenu par des japonais. Il était tenu par des chinois. Ce qui est tout à fait logique. Oui, oui, vous allez dire oui, ils sont asiatiques, mais non. Faut jamais confondre les chinois avec les japonais. Si par exemple vous voulez valoriser votre pays par un pour un autre, juste parce que la nourriture vous a plu, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est vraiment dégueulasse. Ou sinon, si par exemple vous savez que le pays d'origine il crée des meilleurs trucs que le pays qui copie, franchement ne dites pas que ça c'est meilleur que l'autre. Je vous disais, c'était des chinois qui géraient ce restaurant. Et dans ce restaurant, la nourriture n'était pas fraîche. Et surtout, c'était n'importe quoi. Mais par contre, comment j'ai dévalisé les glaces? Ah oui, c'était vraiment... Eh, il y avait 4 cubes de glace. J'ai tout graillé. Je vous disais, pourquoi, explique-moi juste le pourquoi des chinois gèrent un restaurant japonais sachant que c'est pas eux qui ont créé cette nourriture. Franchement, dans tous les pays, il faudrait qu'ils mettent, si t'es originaire de ce pays, tu peux créer ta nourriture de ton pays. Parce que sinon, c'est je sais pas, je trouve ça pas traditionnel, je trouve artificiel, ça vient d'un autre truc. Bref, si vous êtes d'accord avec moi, lâche un petit pouce bleu. Et en conclusion, j'étais là pour vous dire que si un pays copie l'autre dans la même spécialité telle que la nourriture, à part s'il l'améliore et ça devient encore plus bon, je suis d'accord avec vous, c'est très bien. Mais si c'est plus décevant, faites pas comme ça. Dégagez tout de suite, parce que vous allez m'énerver et je vais vous tarter. Et ma patience va s'énerver. Allez, c'est Takimbo. Peace. Oh. Allez, Moussa, viens.